Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul Shein, make-up et un tout petit peu d'accessoires et un tout petit peu de bijoux, je pense. Oui, je pense qu'il y a des bijoux, oui. Bref, vous allez me voir avec cette tenue dans plusieurs vidéos. Pourquoi ? Parce que j'enchaîne les vidéos avant de partir en vacances. Alors, je vais commencer tout de suite le haul. C'est pas un énorme haul, mais j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. Il y avait des choses qui me donnaient envie. Et puis, j'ai repris des choses comme ce petit rangement-là pour crayon. Le mien, il est blindé déjà. Donc, voilà. Du coup, j'ai repris un autre pour mettre encore des crayons. Et je les trouve vraiment très 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 pratique. Bien sûr, je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Et voilà, ça coûtait une misère et tous les crayons rentrent dedans. Et comme ça, vous voyez la teinte que vous voulez utiliser. C'est rapide, efficace. Voilà. Oui, j'ai pris deux colliers ou trois colliers. Je me faisais de l'œil. Et du coup, je me suis dit à ce prix-là, allez, et là, prends-les. Fais-toi plaisir. Du coup, j'ai pris trois colliers un peu spéciaux, hein. Vous allez voir. Donc, il y a celui-ci. Voilà, c'est une chaîne un peu... vous voyez, c'est des anneaux en longueur qui sont emmêlés. Donc, voilà. Et on a une plaque ronde toute simple, en fait. Et ça se met en deux fois, je pense. Voilà, ça se met en deux tours. Vous voyez bien, j'aime bien ce genre de... des chaînes comme ceci. Oups. Et franchement, la qualité, elle n'est pas mauvaise. Voilà. Celle-ci, c'est en argenté. On va voir ce que ça va donner avec un col V, un petit t-shirt sympa. J'ai pris, je pense, le même collier, mais en doré. Voilà. Et le doré, franchement, c'est un très joli doré. Ça fait pas cheap, rien du tout. Le jaune est très, très joli. Et voilà ce que ça donne aussi avec une plaquette ronde comme ceci. Et comme vous voyez bien, le doré est très joli. Et le troisième, j'ai pris un troisième collier moi? Oui, le troisième collier, je l'ai pris en doré. Franchement, ça a coûté une misère ce collier, une misère. C'est aussi avec des anneaux, voilà, emmêlés. Et là, on a une plaquette en forme de cœur avec un œil, je pense, avec un œil. Voilà. Franchement, c'est très très beau. J'adore. Donc, la fermeture est ici en fait. Vous voyez, ça rentre dans le truc, la petite plaquette. Et c'est un, on va dire, un rat-de-cou comme ça. Ouais, on va voir où ça va arriver. Mais franchement, j'aime beaucoup le modèle. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne les bijoux. Et on va passer au make-up. J'ai craqué sur un petit blush qui est un mousse blush. Ça m'a intriguée. Je me suis dit, allez, et là, teste, hein, tu verras ce que ça vaut. Packaging, d'abord, ça arrive comme ça dans le plastique transparent. Franchement, c'est pas mal du tout. Et le packaging en lui-même de ce blush est aussi transparent. Très beau, voilà. Et j'ai pris la teinte Rose, Rose B4 Brosse. Voilà. C'est un petit... je pense que ça va être un peu clair pour moi. Bon, ça sent rien du tout. Mais pourquoi pas, ouais, peut-être. C'est un petit pêche rosé comme ça. J'ai hâte de le toucher pour voir la texture. Donc, voici la teinte. Teinte très, très mignonne. Et... ah ouais, c'est une texture un peu crème en fait qui se transforme en poudre, mais je vois rien du tout quoi. Aucune pigmentation. Mon Dieu, aucune. Aucune. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. C'est rien du tout. On voit rien. Je vois rien du tout. Y a rien. Bon, je vous dis, j'y vais, hein, et j'y vais. Hein. Oh là là, c'est la catastrophe. C'est un flop total. La texture, c'est une texture un peu crème, entre crème et poudre. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Il n'y a rien du tout.
Voilà, déjà on commence avec un flop. J'ai pris un autre blush qui est cette fois-ci un crème, vrai crème. Donc c'est de la marque Shiglam. La teinte c'est 101 Love Cake. Donc le packaging se présente comme ceci. Voilà. Et regardez-moi comment il est gros ce blush. Il est énorme. Le packaging est très beau, franchement. Rose dégradé, comme ça, givré. Très très beau. Voilà. Là, on a la teinte. Voilà. Et ça a l'air clair aussi, celui-là ou quoi? Ah, il y a une petite boule. Donc, il faut le secouer. Ça, c'est bien. Et on va voir ce que ça va donner. Ah ouais, c'est un embout mousse comme ceci. Ah, c'est trop drôle. Ah oui, j'avais oublié en fait qu'il était comme ça. Mais la teinte a l'air très très jolie en tout cas. On va voir. Ah, mais il est clair pour moi. Il est clair pour moi. C'est pas possible. Je me suis gourée de teinte. Oh là là, ça commence mal cette vidéo. Hein. Voilà la teinte. Je sais pas ce que ça va donner en l'estompant. En tout cas, ça s'estampe relativement bien. Ouais, et ça laisse une petite teinte rosée comme ça. À tester, franchement, à tester, voir ce que ça donne. Parce que franchement, ce produit m'a intrigué énormément. Et si c'est bien, bah, je prendrai une teinte un peu plus foncée. Mais sinon, on le voit. Hein. Franchement, moi, je le vois. Et c'est très, très beau. Donc, à de tester pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le fond de teint. Voilà, j'ai enfin pris le fond de teint dans la teinte Golden. Donc, j'espère que ça va aller. C'est un fond de teint. Qu'est-ce qu'il marque ici? C'est un long lasting qui est respirant, long lasting, mat. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Et comme ça, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un full face make-up Shiglam. Donc, c'est un fond de teint mat. Il a de très, très bons revues, franchement, ce fond de teint. Du coup, je me suis dit, why not? On va tester hein, si c'est vraiment très, 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 très mat pour moi. Oh my God! Ah là, je suis choquée. Il arrive dans un écrin en velours, le fond de teint. Mais le truc de fou, quoi. Qui coûte... Même les grandes marques ne font pas ça. Et là, tu payes le fond de teint 7 balles ou 8 balles. Et regardez-moi l'écrin quoi en velours quoi. Allez, non mais franchement, voilà, je pense que la teinte c'est parfait pour moi. Ouais, elle va être très très bien. Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc système pompe, le dessus est vraiment très classe j'ai envie de dire. Flacon en verre, et voilà, et on a combien? On a 30 ml. Donc, comme tous les fonds de teint, quoi. Donc, j'ai hâte de le tester, ce fond de teint. Alors, j'ai pris une poudre libre de la marque Shiglam. Voilà, dans la teinte Cappuccino, j'ai pris. Comme ceci. Et j'avais envie de tester la poudre, franchement. Apparemment, elle est très fine et tout. Donc, la teinte, je pense que c'est parfait. Baked Glow Setting Powder. Voilà, Baked Glow Setting Powder. On a 5,5 grammes. Voilà. Là, c'est marqué Shiglam et tout. On a une houppette. Comme ceci. Et on a un petit tamis. Et il y a le scotch dessus, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et voilà, ça coûtait vraiment pas cher non plus. Hein. Le make-up Shiglam, ça coûte que dalle. J'ai pris la fameuse base pour le teint qui apparemment fait le buzz et apparemment, elle donne le même rendu que celle de la marque Tatcha. La marque Tatcha, hyper connue. C'est une marque coréenne, je pense. Hein. Oui, qui cartonne et qui coûte hyper cher. Et apparemment, celle-ci, donc que Shiglam a sortie, fait le même effet et elle était en rupture de stock cette crème. J'ai mis une alerte et dès qu'elle est revenue en stock, ah ben, je me le suis procuré. Donc j'ai hâte de tester. Qu'est-ce qu'ils disent? Get that baby soft flawless skin you were born with. Oh my god, ça vend du rêve mais un truc de fou. Et cette peau de bébé soft, douce, légère,
avec laquelle tu es né. The first step in your glam routine. La première étape dans votre routine glam. It forms a fine layer on your skin to soften, brighten and smooth out imperfections. Ça forme une fine couche sur ta peau pour adoucir, donner de l'éclat et lisser les imperfections. Voilà. Say bye to visible pores and hello to a more even complexion with soothing rose extract. Donc, dites au revoir aux pores apparentes et bonjour à la peau avec moins d'imperfections, avec cette crème lissante aux extraits de rose. Oh mon Dieu, ils sont forts, hein? Now that you've got the perfect base, your makeup will go on like a breeze, last longer and look like a dream. Oh my God, c'est un poème ce truc. Maintenant que tu as la bonne base, la base parfaite plutôt, the perfect base, ton maquillage ton maquillage va durer plus longtemps avec une apparence comme un rêve. Voilà, comme un rêve. Oh my God. Donc, ça donne pas envie de tester ça, non? Franchement, là, je suis très curieuse. Hein? Packaging. Ah oui, en plus, t'as une spatule. Quoi, mon Dieu? Franchement, chez Glam Shein, il m'épate de jour en jour. Voilà, cette plateforme-là, c'est de ce site. Le packaging est hyper classe, j'ai envie de dire. Effet miroir, le capuchon effet miroir. En dessous, c'est du plastique très dur. On dirait du vrai verre, mais le truc de malade, quoi. Shiglam Birthday Skin Primer. C'est ça le nom de la base. Shiglam Primer Anniversaire de la peau. Voilà. La couleur de la base est rose clair, comme vous voyez bien à travers. Et on a combien ? On a 30 grammes. Donc, franchement, dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Hein? Voilà, tout est bien, tout est nickel. Et c'est une base assez épaisse d'apparence. Voilà. Je vais toucher un tout. Ah oui. Ah oui. Je sais pas si elle est siliconée ou pas, les amis. C'est vrai qu'elle lisse. Hein. C'est tout doux après. Et franchement, je pense que oui. C'est tout doux et ma peau, elle est un peu lissée, j'ai l'impression. Ou je rêve tellement qu'ils m'ont mis des trucs dans mon cerveau. Là. Ils m'ont bourré le crâne avec leurs trucs là, leur expression poétique. Non mais, à tester. Franchement, j'ai hâte de la tester pour voir vraiment si ça fonctionne pour les pores, etc. En tout cas, niveau douceur de la peau, ça oui, je pense que ça va le faire parce que c'est très doux. Donc, voilà, Shiglam. Et enfin, attends, non, pas enfin. J'ai encore un truc à vous montrer. J'ai acheté quoi d'autre, moi? J'ai acheté... c'est quoi? Ah oui, un concealer dans la teinte. Donc, le concealer comme packaging holographique comme ça. Ça me saoule, il ne veut pas faire le focus. Il se présente comme ceci, packaging holographique. J'ai pris la teinte Coconut Flakes. Et j'avais envie de tester. Donc, j'ai pris le fond de teint. Du coup, j'ai pris aussi... le concealer qui est très joli, très simple mais efficace. Et la teinte, je pense que ça va être nickel chrome parfait. J'ai hâte de tester. Et l'embout, c'est un embout très classique, plat. Voilà, en mousse, tout simplement. Et enfin, oui, cette fois-ci, c'est enfin le gros bazar. Le gros machin que j'ai trouvé sur le site Shiglam. Et c'est pas des moindres. C'est un coffret avec des palettes. Voilà. Ils les vendent individuellement. Mais moi, j'ai pris le coffret. Ça coûtait vraiment pas cher. Le coffret, il coûte 33 euros. Et avec les réductions que j'ai eues, bien sûr, j'ai utilisé mon code promo de 15% en plus. Donc voilà, je vous mettrai mon code juste ici. Si vous voulez l'utiliser, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas.
Et regardez-moi le coffret, les amis, avec plein de palettes. Il y a combien de palettes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 palettes. Et on a des stickers et des fossiles. Donc voilà. Magnifique. Il est magnifique ce coffret. Donc il s'ouvre comme ceci. Je pense qu'à l'achat de ce coffret, il reverse une somme d'argent pour une œuvre caritative. Quoi. Voilà. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre le coffret comme ça. Je participe. Donc je vais sortir toutes les palettes. Ça me rappelle les jeux vidéo de l'année, je ne sais pas combien là. Les dessins, les packaging. Donc voilà. La première, non, c'est pas une palette ça. Ça, c'est les fossiles, je pense, et les stickers qui se présentent dans un packaging comme ceci, comme ceux de la palette, mais il n'y a pas de palette à l'intérieur. Et on a... Waouh, elles sont magnifiques, les fossiles. Elles sont un peu longues, mais magnifiques. Franchement, là, je suis ravie. Trop, trop jolies, les fossiles. Oh, magnifique. La base est très fine, en plus. Waouh. Magnifique. Et puis, on a des stickers. Des stickers bananes. Stickers bananes. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est cool. Je vais remettre juste les fossiles à leur place pour ne pas les abîmer. On va passer à la première palette que je prends au hasard. Donc, celle-ci, c'est la Viva la Léopard. Viva la Léopard. Voilà, ça a l'air d'être une palette dans les teintes nude. Packaging intérieur. On n'a pas de miroir. Et voici la Color Story. Trop belle. Trop, trop jolie. Color Story, on a du kaki. On a un marbré ici. Trop, trop beau. On a des lumineux. Franchement, on a une teinte ici bronze avec des éclats argentés. Franchement, elle est trop jolie cette palette. Il y a des teintes mates magnifiques. Donc voilà pour la première palette. Je ne vais pas faire des swatchs, hein, les amis. Ne m'en voulez pas. Hein. Sinon, la vidéo va durer une plombe. Alors, on a la Forever Feather. Forever Feather. Qui se présente comme ceci. Et là, on est sur des teintes, à mon avis, vert. Ouais, vert, bleu turquoise et tout. Très, très, très joli aussi. On a des teintes irisées, des teintes mates. On a des teintes, beaucoup de irisées, c'est tout. Satinées plutôt. Et beaucoup plus de mates. On n'a que 3 irisées ici. Que 3. Là, là et là, je pense. Non. Les deux ici et cette teinte irisée. Sinon, le reste, c'est des mates. Et puis, on a la Wolf Calls, la bleue. Et, à mon avis, ça va être des teintes bleues aussi. Packaging comme ça, cartonné, très bonne qualité. Pardon. Et mon Dieu, la Color Story. Magnifique. Oh là là. On a pas mal de lumineux dans cette palette. Voilà. Très joli bleu. Il y a du gris aussi. Gris-bleu plutôt. Gris-bleu. On a dit des différentes textures. Donc, voilà. Très, 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 très jolie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 palettes. La Flutter Effect, qui est comme ceci. Et donc, voilà, pareil. Et ici, on a des teintes un peu pastel. Très jolies. Voilà. Magnifique couleur, on a des irisés magnifiques. Là, vous voyez les vraies teintes presque. Ces mauves là, violet, bleuté. Oh, trop, trop beau. Trop, trop beau. Franchement, ce coffret, il est juste trop bien. Voilà, trop, trop bien. Et enfin, on a la palette Thin Within. Donc, c'est la rose, comme ceci. Voilà. Et, oh my god, on a des pailletés ici. On a plusieurs textures, des pailletés avec des grosses paillettes. Oh,
Mon Dieu, regardez-moi cette beauté! On a des violets trop beaux que j'adore! Oh, regardez-moi, ici c'est des grosses paillettes. Voilà, à mon avis, dans du gel. Ici c'est des paillettes plus fines, dans du turquoise, du vert. Oh, regardez-moi les lumineux là. Et les mats sont juste trop, trop beaux. Regardez-moi ça. J'adore cette palette. J'adore. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Donc voilà, je pense que je vous ai montré toutes les palettes, mes chéris. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je kiffe trop ce coffret-là. Et franchement, la qualité des fards Shiglam, elle est quand même bien pour le prix. J'ai déjà testé. Je vous ai fait même une vidéo de palette avec une palette Shiglam et tout. Je vous ai montré ce que j'ai utilisé et tout. Et j'étais vraiment très 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 contente de la qualité. Et là, quand j'ai vu ce coffret-là, j'ai craqué. Et surtout, j'ai craqué pour la crème, en fait. La base pour le teint. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Je vais partir en vacances. Je vais faire un petit stand-by, une petite coupure. Et dès que je reviens de vacances, eh ben, on va attaquer les tests et tout. Je vais essayer comment dire, de me trouver une organisation pour mes vidéos. Parce que mes vidéos, je pense que vous l'avez vu, c'est un peu holy hola. Une fois des hauls, une fois je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bref, je vais essayer de m'organiser. En fait, avec le boulot, je n'arrive pas à bien m'organiser. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas. Je fais ce que je peux. J'ai trop envie de tester plein de choses pour vous montrer plein de choses, mais le manque de temps me tue. Donc voilà, mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aussi craqué sur Shein, si vous avez acheté ces petites palettes-là, parce que franchement, elles sont trop belles. Dites-moi si vous avez testé le fond de teint, le concealer, le blush, etc., etc., de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous avez des tops, des flops dans le maquillage Shiglam, dites-moi tout en commentaire. Ça peut aider la communauté à faire des choix pour les achats. Voilà, on est là pour partager, n'est-ce pas? Donc voilà, mes chéris, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir, c'est gratuit, ça booste la chaîne et ça encourage à max. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!